et le rôle important qu'elle joue dans la société. Excellences, Monsieur le Président. L'année 2022 est l'année des grands bouleversements mondiaux et d'un contexte international perturbé qui a été marqué par la période post-Covid qui devait permettre d'amorcer une reprise économique mais qui a été malheureusement estampée en raison de la guerre Russie-Ukraine qui a contribué au renchérissement des prix des matières premières, de l'énergie et du transport international. Jamais le monde n'a connu une série de chocs successifs et rapprochés. Mais pour le Bénin, c'est une année de réalisation socio-économique en dépit de cette conjoncture contraignante. Malgré cette situation à laquelle il faut rajouter le fléau terroriste au nord du pays que vous combattez avec courage, l'économie béninoise, grâce à votre volonté et votre clairvoyance et la qualité de vos collaborateurs, a été résiliente. Et vous avez affronté cette situation avec assurance et un grand esprit de responsabilité en gardant la confiance des citoyens et des différents acteurs. Les populations ont été moins impactées par la cherté de la vie et la flambée des prix grâce aux mesures de soutien direct aux populations vulnérables et aux secteurs touchés par la crise et aussi par le soutien des produits de grande consommation et de mesures douanières qui touchent l'importation et l'exportation d'un certain nombre de produits agricoles. Excellences, Monsieur le Président, l'année 2022 a été une année très riche en événements au Bénin. Et je me limiterai, avec votre autorisation dans cette allocution, dont vous m'accordez l'opportunité, au nom de mes collègues, à certains événements qui ont une valeur historique, culturelle, diplomatique et économique. Ainsi, la restitution des trésors royaux par la France, moment très émouvant, et l'exposition intitulée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui » que vous avez, Monsieur le Président, décidé d'organiser au sein du Palais de la Marina, alliant les 26 trésors restitués et l'art contemporain, marquera à jamais l'histoire de votre pays et le rôle primordial et précurseur que vous avez joué personnellement et votre persévérance pour que le début de la restitution des œuvres royales du Bénin se déroule dans l'amitié, la négociation et la responsabilité, ce qui a ouvert la voie à d'autres pays d'entamer les démarches afin de voir leurs œuvres revenir à leur terre natale. Cette restitution vous honore, Monsieur le Président, et a permis de rendre au peuple béninois une partie de son âme, une partie de son histoire dont il est très fier. Aussi, il est nécessaire de saluer le travail minutieux que vous avez effectué pour permettre à ces œuvres d'être exposées dans un futur proche, dans un cadre adapté à Abomey et à mettre en valeur le riche patrimoine culturel du Bénin au service du développement de la destination Bénin avec la construction de musées à Ouida, Abomey, Porto Novo et Cotonou et le développement des infrastructures hôtelières. Je voudrais, Monsieur le Président, au nom du corps diplomatique, vous remercier pour les journées mémorables du 30 juillet et du 1er août, qui nous ont permis de mesurer l'immensité de l'histoire et de la culture béninoise à travers les monuments inaugurés dans cette belle ville de Cotonou à l'occasion des festivités marquant la fête de l'indépendance, la statue et la place de l'Amazone, la statue Bioguera et le monument dévoué au jardin Mathieu. Le défilé militaire du 1er août, placé sous le sceau de l'unité des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la défense du territoire, a été une occasion pour montrer au monde entier la solidité de l'Union nationale béninoise sous votre impulsion et orientation et a permis de valoriser d'une manière majestueuse la bravoure de la femme béninoise en la mettant à l'honneur à travers la parade du personnel féminin au sein de l'armée sous le regard de l'Amazone de ses 30 mètres de hauteur. Excellences, Monsieur le Président, sur le plan diplomatique, vous représentez d'une façon majestueuse votre pays, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale, et vous contribuez avec discrétion, efficacité et fermeté, avec repère à la recherche des solutions pour les situations difficiles d'un certain nombre de pays de la sous-région qui ont remis en cause l'ordre constitutionnel de leur pays, et de mettre en œuvre la stratégie de lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Golfe, de Guinée et les pays du Sahel, en insistant sur la nécessité de compter sur la capacité propre à chaque pays en mutualisant les moyens et en renforçant le renseignement. Vous avez contribué, Monsieur le Président, au rayonnement du Bénin à l'international, après avoir préparé les conditions nécessaires permettant à votre pays de devenir une destination d'investissement et de tourisme à travers la zone industrielle GLOJB, les mesures incitatives sur le plan fiscal, les infrastructures routières, hôtels, l'hôpital de référence et le secteur de la santé, les lycées techniques et de métiers, la Cité internationale d'innovation du savoir, CMCity, les télécommunications, etc. C'est ainsi que lors de votre rencontre avec les entrepreneurs en France, vous l'avez exposé et à travers eux,
à tous ceux qui s'intéressent à votre pays, le Bénin nouveau, qui regorge d'énormes opportunités d'investissement et qui offre les meilleures conditions, aussi bien en matière de positionnement géographique, d'infrastructure que de cadre juridique et fiscal. Votre visite à Washington vous a permis, en marge de la conférence des chefs d'État Afrique-États-Unis, de rencontrer les présidents du FMI et de la Banque mondiale et de superviser la signature du nouveau compact régional avec le MCC, ce qui démontre le sérieux et la bonne gouvernance du Bénin sous votre impulsion. La visite officielle que vous avez effectuée aux Pays-Bas, où vous avez été reçu par le roi Willem-Alexander, et les accords signés avec les autorités ont été suivis par une visite des responsables de ce pays au Bénin et a permis la concrétisation des accords, particulièrement en matière d'alimentation en eau potable des départements du Bénin. Votre pays a connu, au cours de l'année 2022, plusieurs visites et réunions des commissions mixtes, et la visite officielle du président français, Son Excellence Emmanuel Macron, constitue un moment important dans l'affermissement des relations diplomatiques du Bénin et la place qu'il joue dans l'échiquier régional et international. La résilience de l'économie béninoise et la gestion rigoureuse des finances publiques ont permis, malgré la conjoncture difficile, d'honorer l'engagement de revaloriser les salaires des fonctionnaires et l'effectivité de ces augmentations en décembre 2022. L'augmentation du SMIC et l'appel au secteur privé de revaloriser les salaires des employés constituent des éléments concrets de la promesse que votre deuxième mandat sera hautement social. Aussi, vous avez tenu dans votre projet social à mettre en valeur la jeunesse béninoise, en plus de la formation et de l'emploi, mettre à sa disposition 22 stades de type omnisport aux normes internationales pour rendre le sport béninois compétitif, attrayant et valorisant. Je me permets, Monsieur le Président, de citer une phrase de votre discours à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation le 8 décembre 2022, qui met en valeur votre pensée, votre volonté et votre détermination à ce que le peuple béninois vive dans la dignité et dans de meilleures conditions. Je cite. Même si en notre temps, chacun de nous ne connaîtra pas l'aisance, le bien-être total, nous avons l'assurance que nos enfants ne connaîtront pas le même sort que nous. Que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les générations à venir, grâce à nos efforts et à la dynamique en cours, auront un sort différent, une vie meilleure. C'est le sens de la vie, c'est aussi cela la responsabilité des générations, œuvrer pour soi, certes, mais davantage pour les générations à venir. Fin de citation. Excellences, Monsieur le Président, grâce à votre engagement et votre volonté de montrer au monde que le sous-développement n'est pas une fatalité, vous avez engagé des réformes structurelles nécessaires pour la bonne gouvernance et lancé le programme d'action gouvernemental 2021-2026 qui capitalise sur les réalisations du PAG 1 et oriente les programmes vers les projets à valeur ajoutée sociale qui favorisent la formation et la création des emplois. Aussi, grâce à vous, le Bénin a trouvé son propre modèle de développement. Je voudrais, au nom du corps diplomatique, féliciter les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité du pays sous votre autorité et saluer leur bravoure et leur abnégation et rendre un hommage appuyé aux soldats et aux citoyens victimes des actes terroristes perpétués au nord du pays. Aussi, je voudrais vous assurer, Monsieur le Président, de la volonté des partenaires internationaux et des ambassades accréditées au Bénin, réunies ce matin pour cette cérémonie de vœux, pour accompagner le Bénin, pour poursuivre cette dynamique économique et sociale que vous avez initiée avec méthode, volonté et détermination, et dont nous sommes les témoins. Tout en vous remerciant pour cette belle tradition de présentation de vœux, et en remerciant les membres du gouvernement pour leur disponibilité et écoute, l'ensemble du corps diplomatique est ici pour former à votre endroit les vœux les plus sincères pour poursuivre l'affermissement des réalisations socio-économiques pour une société juste et équitable où règne la paix et la sécurité. Et nous vous réitérons, Monsieur le Président, nos souhaits de santé, de bonheur et de prospérité à vous, à votre honorable famille et au peuple béninois. Bonne et heureuse année 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choix à présent d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à répondre au message de vœux du corps diplomatique. Merci. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'entrer, de vous remercier pour vos propos aimables et vos bons voeux de nouvel an adressés au peuple béninois,
au gouvernement, à ma famille et à moi-même. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous m'avez ému. Je voudrais pouvoir ensuite me réjouir de vos appréciations encourageantes sur l'action de mon gouvernement. Sur le plan interne, vous avez notamment évoqué les conditions d'organisation des dernières élections législatives. Celles-ci témoignent de la pertinence de la réforme de notre système partisan qui, quoique difficile au début de sa mise en œuvre, permet aujourd'hui de poursuivre la consolidation et l'assainissement ainsi que le renforcement de notre démocratie avec un accent particulier sur une meilleure représentation du peuple par les femmes et les jeunes, comme vous l'avez indiqué. S'agissant des réalisations socio-économiques en dépit du contexte international difficile, elles sont l'œuvre du peuple béninois tout entier et traduisent son aspiration à une vie meilleure pour les générations actuelles et futures. À cet égard, je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à intensifier cette dynamique afin que les résultats soient encore plus visibles pour impacter davantage notre bien-être individuel et collectif. Quant à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui que vous avez évoquée, ainsi que l'inauguration des monuments dans la ville de Cotonou, ces actions participent de notre volonté de faire de la culture un facteur de notre révélation à nous-mêmes et un levier de développement et de rayonnement du Bénin au plan international. Je me réjouis d'ailleurs de ce que cette exposition, dans son volet contemporain, fera parler de lui à partir du 18 janvier prochain et plus tard en France, ainsi que dans d'autres pays avec lesquels nous avons une coopération culturelle fructueuse, d'autant qu'à travers l'exposition de Cotonou, notre art, nos acteurs de la vie artistique ont été révélés au monde entier. C'est le lieu pour moi de remercier chacun de vos États et institutions pour le soutien apprécié que vous apportez au Bénin dans divers domaines en vue de le soutenir dans sa démarche vers toujours plus de progrès. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, c'est conscient de votre appui que nous avons poursuivi sur le plan international au cours de l'année écoulée, notre double approche de coopération consistant à consolider les relations avec nos partenaires traditionnels, sans oublier de nous ouvrir à de nouveaux. L'activité diplomatique marquée par les visites de personnalités étrangères au Bénin, autant que par nos déplacements vers des pays amis, illustre notre dynamique, de même que notre participation à diverses assises internationales. Aussi voudrais-je vous rassurer que cette ouverture à de nouveaux partenaires sera poursuivie pour mobiliser l'ensemble des appuis et expertises nécessaires à la réalisation de notre programme de développement 2021-2026 en vue d'amplifier les acquis déjà obtenus pour le bien-être général de notre peuple. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez bien voulu souligner également nos efforts en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Si nous menons une action aussi résolue contre ces phénomènes, c'est pour garantir la sécurité et l'intégrité de notre territoire. C'est bien parce qu'ils compromettent les efforts de développement national de l'intégration et l'intégration sous-régionale. Notre pays, le Bénin, jouera pleinement la partition qui est la sienne. Mais au-delà de la sous-région africaine, l'Afrique et le monde entier ont besoin de paix. Il n'y a aucun intérêt à entretenir les foyers de tension pendant que les défis de préservation de la planète se posent plus que jamais et que les peuples souhaitent une amélioration continue de leurs conditions de vie. C'est pourquoi je récuse
tous les fondamentalismes qui concourent à sa déstabilisation, et j'en appelle à la vertu du dialogue pour que partout où la paix est menacée, les protagonistes se parlent. Mesdames et messieurs, je souhaite donc vivement que cette année 2023 soit celle du règlement rapide et pacifique des conflits afin que règne dans le monde la paix et la concorde entre nations. Je souhaite et prie le ciel que la guerre en Ukraine s'achève en 2023. Elle impacte trop négativement nos vies à chacun de nous et sa persistance compromettrait de manière trop durable la valeur humaine. Je voudrais sur ce finir mes propos en vous renouvelant à nouveau tous mes vœux de bonne santé pour chacun de vous individuellement, d'épanouissement, de succès dans votre mission et à travers vous, souhaiter à vos responsables divers, à vos autorités, à ceux que vous représentez une bonne année et à vos pays, à vos peuples, à vos familles, à vos amis, d'où vous venez, aussi bien en ce qui concerne vous qui représentez les États que ceux qui représentent les institutions, une véritable bonne année 2023. Et que sous nos regards, parce que je souhaite que chacun vive cette année 2023 qui va à nouveau montrer que l'humanité, elle est vraiment humaine. Qu'à la fin de cette année, en nous retrouvant l'année prochaine, nous puissions saluer la paix retrouvée en Ukraine ainsi que partout où elle est menacée. Bonne année. Merci. Cette séquence d'échange de vœux entre le corps diplomatique accrédité au Bénin et le chef de l'État, avec cette séquence, on doit le souligner au passage, cette séquence d'émotion où le chef de l'État, en prenant la parole, a confessé, a épanché son émotion lorsque le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur chérifien accrédité au Bénin, soulignait dans la politique du hautement social cette promesse faite par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale et indiquait que même si les générations actuelles ne bénéficiaient pas entièrement, totalement, eh bien, des fruits de la croissance, des politiques sociales engagées par le gouvernement, qu'il est important qu'on travaille, qu'on s'assure que les générations, nos enfants, les générations futures, eh bien, vivent pleinement et en jouissent pleinement, soit épanoui. Et on a vu justement, en parlant d'épanouissement, le visage de Patrice Talon s'épanouir d'un sourire certain, quand, irrésistible, quand l'ambassadeur faisait écho de ce passage, de cette séquence du discours du chef de l'État sur l'état de la nation face aux députés. Globalement, pour revenir sur ce discours, pendant que le chef de l'État fait ses civilités au corps diplomatique, dont les vœux ont été portés par l'ambassadeur du Maroc au Bénin, doyen du corps diplomatique. Revenons un peu sur les grandes séquences, les grands moments de ce discours. Le discours ayant ponctué les vœux du corps diplomatique, ce discours a commencé par les appréciations, une prime donnée par le corps diplomatique au processus électoral engagé au Bénin, avec les félicitations de ce corps diplomatique au Bénin qui a réussi à ses yeux eh bien, l'ultime rendez-vous électoral législatif qu'on a vécu avec le vote dimanche dernier. Il a salué également dans son discours de vœux la résilience économique manifestée par le Bénin, déployée par le Bénin à la faveur de cette crise russo-ukrainienne et ses impacts, ses zones de choc sur un peu partout sur la planète, et saluer la résilience, les politiques de résilience, la gouvernance déployée par le gouvernement pour amortir les chocs, les contre-coups de cette crise multidimensionnelle. Rappeler également ce grand moment mémorable qui a constitué en l'exploit du retour au Bénin des trésors royaux. Ponctuer également cette séquence par l'évocation de l'inauguration des trois grands monuments
inauguré et qui représente à ses yeux un ferment culturel de la fierté nationale. Et puis enfin, saluer le regain diplomatique déployé par le Bénin ces derniers temps, par l'orienter vers une émergence et une croissance durable, des moments de déploiement de diplomatie économique également aux USA, lors du sommet USA-Afrique, où le Bénin s'est vu renouveler un nouveau contrat avec le MCA, un nouveau contrat de financement d'infrastructures routières et bien d'autres chantiers de développement. Et puis, il a indiqué que la visite de présidents étrangers comme Macron au Bénin était là le signe d'un rayonnement, d'un prestige retrouvé d'un Bénin qui tient à se faire respecter par les politiques, la gouvernance et le processus démocratique en cours. Et puis, enfin, justement, l'évocation de cette politique du hautement social qui a ému le chef de l'État et qu'il a d'ailleurs confessé lorsqu'il rappelait ce mot du chef de l'État aux députés lorsqu'il présentait son discours sur l'état de la nation en prenant l'engagement que tous les efforts qui se font doivent se faire à défaut que nous, générations actuelles, on en profite pleinement, qu'on s'assure que nos enfants, les générations futures, soient épanouis. C'est donc l'essentiel des messages portés par les vœux du corps diplomatique présentés par le doyen du corps diplomatique au Bénin, l'ambassadeur chérifien au Bénin, sur à quoi le chef de l'État a répondu en saluant le soutien des partenaires techniques et financiers à l'action du gouvernement pour les chantiers de développement et indiquer que même si, en rappelant la doctrine diplomatique du Bénin, que en deux axes, même si le Bénin, premier axe, tient à consolider ses relations avec ses anciens partenaires traditionnels, eh bien, il veut aussi s'ouvrir à d'autres partenaires sans perdre en chemin tous ses anciens partenaires techniques et financiers, s'ouvrir à d'autres également. Ce sont les deux piliers de la doctrine diplomatique du Bénin, rappelés par le chef de l'État pour indiquer que les anciens partenaires n'avaient pas à avoir de l'ombre dans leur relation avec le Bénin, l'inclination du Bénin vers d'autres horizons. Appel enfin du chef de l'État, un appel vibrant sur lequel il a insisté, et surtout à la fin de son discours, pour qu'enfin prennent fin les horreurs de la guerre en Ukraine et qui font payer à toute la planète, et notamment aux pays africains, un lourd tribut dans leur vie économique et sociale. Voilà un peu en synthèse. On reviendra à la fin de toutes les séquences de vœux, la dernière étant celle de la présentation de vœux des forces de sécurité et de défense au chef de l'État. On reviendra dans un plateau conclusif sur une analyse avec deux invités que je vais convier à cet exercice. Ho FM mino doto webi wenu radio eno kpono numewe radio super radio chigan ena chenu mi.